Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous vous trouvez en ce moment, c'est par la grâce de Dieu que nous nous retrouvons encore. Bienvenue dans le tout premier numéro de l'émission Dans ta présence, présentée par votre servante Laetitia Chamba. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. J'ai l'honneur et je suis flattée de recevoir pour vous le visionneur de l'église La Grâce de Dieu, l'apôtre Josué Edumba Kalala. Alors bonjour, bonjour apôtre. Bonjour, ma femme Laetitia. Quelle nouvelle pour le peuple de Dieu de la part du Très-Haut? La nouvelle est que Jésus-Christ est vivant. Il est mort et ressuscité. Il est mort à notre place. Que chacun de nous pense aujourd'hui, qu'il le croit, qu'il le réalise, que quelqu'un est mort à la croix pour lui. C'est ça la nouvelle que j'ai amenée pour aujourd'hui. Voilà. Bon, pasteur, juste une petite prière avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui qui parlera de la délivrance de Pharaon. Bon, pasteur, une prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je viens lever ton nom en ce moment que nous sommes sur ce plateau pour tenir cette émission. Je bénis ton peuple qui nous écoute maintenant, hommes et femmes, toutes les familles de partout dans le monde. Seigneur, visite-les et bénis les familles pour ta gloire. Je bénis cette émission et je bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ, je vous prie. Amen. Là, arrivé le moment où nous voulons maintenant entrer dans le sujet, dans le vif de notre sujet. Pasteur, j'ai ma première question. Je suis vraiment préoccupée par cette question. Nous entendons par-ci par-là parler des délivrances. Donc, délivrance par-ci, délivrance par-là, plusieurs prophètes. Donc, des délivrances par moyen en ce moment. Alors, nous voulons juste savoir c'est quoi d'abord la délivrance. D'abord, le thème que nous avons choisi pour partager avec tout le monde est intitulé « La délivrance des familles ». Avant d'entrer en profondeur d'un thème, il faut d'abord connaître la définition. Je disais que selon la vision de Dieu ou selon la Bible, la délivrance c'est l'action de détacher un homme ou une femme, un animal ou un objet quelconque. L'action de détacher un homme, une femme, un animal ou un objet quelconque. C'est ça, c'est qu'on va appeler délivrance. Voilà. Et bon, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si le peuple de Dieu a essayé un peu de comprendre. L'action de détacher. Contre, je suis détaché à quoi? À un esprit, un arbre ou quoi? Je peux te donner un exemple purement biblique. Allez lire dans le livre de Marc, au chapitre 11. La Bible dit que Christ et Jésus étaient ensemble avec ses disciples. Arrivé quelque part, il avait parlé à deux de ses disciples. Il dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous essayerez d'entrer, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. C'est ça la délivrance. Il a demandé à des gens qui partaient d'aller détacher un anneau qui était attaché. C'est ça la délivrance dans la vision du Christ. La délivrance dans la vision du Christ, c'est de détacher quelqu'un ou une chose, un animal, tout ça. Bon. Mais maintenant là, on entend parler, je ne sais pas, des fois on parle de détacher quelqu'un, donc quelqu'un qui est lié quelque part. Mais lorsqu'on délivre, les délivrances que nous voyons en ce moment, il y a des fois les gens qui font sortir des histoires dans les corps de personnes, je ne sais pas, ces histoires ont été collées, liées à la personne, où ça venait d'où? À toi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Alors nous voulons juste plus savoir, il y a combien, il y a plusieurs sortes de délivrances. S'il y en a, il y a combien, mais quelles sont ces délivrances-là? Parce qu'on parle trop de délivrances par-ci, délivrances par-là, il y a des esprits qui sortent, des esprits qui parlent. Je ne sais pas, ce sont des esprits qui sont attachés à la personne ou comment? D'abord, tout le monde doit savoir que la délivrance est une réalité. Parce que notre vrai modèle,
connaissez Christ. Christ lui-même a délivré plusieurs personnes. Nous avons des versets dans la Bible qui parlent de délivrance. Christ a délivré plusieurs personnes dans la Bible. Je venais te donner le verset de Marc. Il a même délivré un animal. À combien plus forte raison un homme. Aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes dans nos familles. Il y a des gens qui sont liés, des liens de famille. Il y a des gens qui sont liés par la sorcellerie de la famille. Il y a des gens qui sont liés par des réalités, des phénomènes démoniaques de leur famille. Et nous, nous travaillons pour la délivrance des familles pour ces cas-là. C'est-à-dire tout celui qui peut être malade, celui qui est lié, celui qu'on a jeté sur lui de mauvais sort, celui qui a des problèmes dans la famille, tout ça, nous nous prions pour ces gens-là de partout dans le monde, dans nos intercessions, pour que Dieu arrive à les délivrer. Voilà. Pasteur, je vais ajouter encore une question. C'est celle de savoir qui est habilité à délivrer. C'est tout le monde qui peut délivrer ou des abattements au baponin que non, c'est seulement eux qui doivent délivrer et non les autres. Parce que là, il y a des prophètes qui délivrent, il y a des apôtres, des pasteurs. Et qui peut délivrer? Parce que lorsque nous lisons, nous voyons Genèse 48, je pense dans le verset 17 là, la Bible parle d'un ange. Alors, je ne sais pas, en ce moment, comment expliquer? Parce que la Bible parle d'un ange qui délivre. Et maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un Camerounais capable de voir un ange descendre et délivrer. Alors, comment expliquer un peu ça? Si on peut parler de l'angéologie, on les a dit tellement sous. Donc, les lots, tout le bélan, ma cambo est allé délivrance. Surtout, on dit ma cambo pas ange, et dans le monde, nous sommes en aide. Il y en a ma cambo belé, peut-être, ma sujet, mon sous. Tu vois que le bélan, ma cambo pas ange. C'est ça, ton rôle bélan, pardon, pasteur. Ton rôle bélan, après. Mais pour le moment, là, si quoi, et l'autre intéressé, n'a pas dit de l'homme aux loba. Nous t'en pas délivré, et là, ta ange. Et est-ce que la minute où tout le monde a ange c'est quoi? Comment croire à la délivrance de Salim? Il va passer, il va remplacer, il va ange tout ce qu'on a. Et bon, nous croyons d'abord que nous avons un ange à Salim. Parce que le cognon sur avant de le bayango, il faut une définition. Quand on va le dire, c'est un ange. L'ange, selon l'interprétation, il y a qui pour manger. Manger, il y a un messager. C'est-à-dire, moto oyo aye na message. N'est-il pasteur et église à cause de la paix ange? Parce qu'il y a un message. Parce qu'il n'y a que l'ange, il n'y a pas un message. Et à cause de que non, ce n'est pas non, c'est seulement un ange, oui. Délivrance et au salem. Apôtre à cause de la délivrance. Prophète à cause de la délivrance. Évangéliste à cause de la délivrance. Docteur à cause de la paix délivrance. Mais, ils ont la délivrance, ils ont le domaine en tout. Ils ont un monopole de délivrance. Le bagage, il n'y a qu'une seule personne qui doit délivrer, comme on est Jésus-Christ. Donc, il y a soit ça la délivrance dans le Kachabat. Et ce que nous avons comme un peu de délivrer, on est au land de l'amour. Donc, sans Christ, la délivrance est à dire. Voilà. Bon, tu comprends, mais soyons sûrs que sans Christ, il n'y a pas de délivrance. Pasteur, c'est une question encore. Et eux préoccupés dans ma case. Donc, moi, le Mikoulou, la délivrance est belle. Et je sais les noms. Mais moi, je veux juste savoir pourquoi, par exemple, elle va délivrer Moutou, les loups. Mais l'obé au côté sous la vie à péché, ou ce kakaïo, elle va délivrer. Alors, ma question est de savoir pourquoi kakaïo ne faut pas délivrer. Ou que faire lorsqu'on te délivre, après ça, tu as délivré, que faire pour ne plus retomber dans la manière, ça, tu as ou pour ne plus péché. Pour éviter c'est que tu sois délivré à tout moment, c'est que toi qu'on délivre du jour au jour. C'est que délivrance ça va aussi m'arrêter tous les années. Exactement. Yeshua a pissé lumière dans le Coran. Au moment où on a fait la délivrance, il y a des choses. Et la délivrance, ils appellent la maintenance de la délivrance. Il y a un mot de prière, il y a délivrance. Il faut, ou comme on attend, ou comme on dit, maintenir la délivrance. Pour nous maintenir délivrance, il y a lecture, il y a parole de Dieu, il y a vie sanctification, il y a vie, il y a la retraite, il y a la prière, il y a ma casse, il y a mon ça la combattre la délivrance. Pour Bible, il y a un esprit mauvais lorsqu'un esprit mauvais sorti d'un homme, alors qu'il débit la bicao qui pour nous repos. Alors le bango très bien qui a besoin de repos en athée. Intention naïe, vous allez raison à la bisou, il y a des maquis.
ne place pas de bébé pas de problème. Ne même pas de yoga dans la plateau dans minute au yo. Bah pour condamner la bateau dans kenda ne vise on a pas délivrant là et si mbaté. Oui. Bah délivrer milimo et bima, mais après d'abord ko bima ya milimo, yo pour dans la position ni. Il faut eba comme maintenir délivrance na yo. C'est-à-dire aussi mis délivrance dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans la retraite, dans le Kanzambe, dans le Tambo, dans le Nzamba Lingi. Il y a un peu de la haine de délivrance dans la Makasi pour porter la tête de Satan à l'aéroport. D'accord. Parce qu'il y a un souci par rapport à la délivrance. Je veux juste savoir, lorsque on vient pour délivrer quelqu'un, c'est préparé à quoi? Ou soit c'est automatique, ça vient comme ça. Attends, où t'es qui ou toi, tu sais, battant à prière, comme tu es envoyé en Zambé, quand je ne sais pas, prophète, pasteur. Donc, vous voyez, quand tu as boué sans prière, tu viens au délivré, puis mout. Ou il faut non, nous entrer dans un moment pour la prière. Non, tu sais, c'est que les prières, donc délivrance, c'est les cambriens de tout. Délivrance, c'est la volonté d'abord rien. Il y a un souci. Et il y a automatiquement, il faut d'abord rentrer dans la présence de Dieu. Il y a trois dimensions de délivrance. Il y a la souveraineté en Zambé. En Zambé, il y a le biki, balinga balinga télé, l'homme trop à votre délivrance. Tout le monde a un Bible. On a un exemple de la délivrance, il y a un balé. Les alliés, ils ont dit qu'ils 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 ont dit prière peut vous servir de base de délivrance. Mais délivrance, c'est un domaine qui a monté. Donc, ils ont tenté que non, ils ont la montée, ils ont la prière, ils ont la retraite, ils ont été. Mais il y a un qui a un verset de la Bible et l'obé, l'esprit a boué et qu'il n'y a pas de jeûne pour la prière. Ils ont un esprit, donc espèce, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de jeûne pour la prière. Mais ils ont un démon qui a sauté. Il n'est pas dit que pour nous faire délivrance, il faut que les gars retraitent. Et dans mon salon, Zambé, moi, il m'a dit, à saler la main. Si les gars vont tout à fait. Au soka, au yo, le bus sort à qui n'a rien à toi, sans militer. Oui, ils ont une espèce, il n'y a pas de démon. Zamba qui est le démon, c'est le ange, on a des chiffres, tout le monde va démoler. Ils ont une espèce, ils ont une faible, ils ont une faible, ils ont une faible. Voilà, parce que. Nous parlons de délivrance, pas de délivrance tout court, délivrance de famille. C'est qu'il y a aussi une délivrance moi personnelle, ou soit, je ne sais pas, lorsqu'on parle de la délivrance de famille, c'est-à-dire la délivrance moi, il y a des communes, il y a la délivrance, ou soit, quand la moutou moi, quand, pas une seule personne de une famille, vous avez délivré ou comment? Oui, et ça, je suis comme à l'amour. La base, au côté de la carte, on a des exodes, chapitre 3. Pendant la verset avec le sorti, il y avait un peuple où il y a un peuple qui est en c'est le peuple d'Israël. Pendant que la base de l'Ukraine a intervenu dans la vie d'avant. Dans chapitre 3, verset 7 et verset 8, nous avons parlé de Balobi. J'ai vu la souffrance de mon peuple au Yazanamboka, Égypte. J'ai entendu ses cris. Donc, il dit que le Baké dit qu'il y a délivrance. Il faut que nous prions que nous avons prié. Même si nous avons prié, nous avons prié. Nous avons prié. Délivrance, il faut que nous avons prié. Nous avons prié. Moi, quoi délivrer, il y a toi délivrer famille mobile. Que faire pour que famille mobile parce que lorsqu'on parle de famille, délivrance de famille, là, il y a dans la délivrance, pas d'une personne, de toute la cause, c'est une personne qui représente toute la famille. Ou c'est comment je n'arrive pas à comprendre un peu. Il faut d'abord que l'on va bien de famille. La famille, c'est l'ensemble d'un père et d'une mère de leurs enfants. Et puis, surtout, le logo est mon qui m'a mené les années. Mon qui dit, ils ont composé dans mon bal et dans mon cité là-bas. Donc, tu ne pas que noyé à l'époque de la monde, ils ont d'abord une famille. Ce qui détruit, c'est la famille. Ce qui est noyé, c'est la famille. Ce qui est mariage, c'est la famille.
nous même bénédiction sur les frères qui travaillent dans la famille. Tout d'abord, la famille des années base, il y a ma campagne. Il y a un gros bisou. Tant que nous avons une délivrance, nous avons un peu de temps dans la famille. Nous avons un exemple pour ma fille. Un jour, nous avons invité à un service pour mon aîné. Nous avons péché, donc nous avons une prédication, la CA et pas qu'on a mis en casse. Je suis allé à la côte de Moutumoko, je suis allé à la brancarde, je suis allé à la maman. Je suis allé à la maman, je suis allé à la maman. Dans Luc chapitre 7, c'est-à-dire résurrection, il y a fils unique, il y a père Vianaï. On a dit que non, Christ a coutané dans le cimetière, dans le cimetière, dans le cimetière, dans le cimetière, dans le cimetière. Na mitu na nga na kacha vi na nga na na bonde la bona muta bongote do na bonde la kana fu. Ali ba me misonga. Do e de wane da kinga. Ba ni misinga nga. So ndé place na comprendre que délivrance est un domaine ya moto té. La délivrance c'est Dieu nda sala kamo. Jo wana mbala ngo na lobi. Est-ce que bon dimi que maman akobika? Mbala moko église mon balobi akobika. Wane da pina fu na bango fe. Mais j'ai seulement fait une prière. Na pondé na lobi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Des paroles na lobara au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et fais-toi marche. Na si maman na na lobo na télé messie. Par le gars ça l'avait déjà 7 jours à noter les matins de l'obaté. Maintenant on a signé au nom de Jésus-Christ na télé messie maman na télé moi. Moi na na ganga. Maman na tembea. Je suis invité. 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 Le papa part dans une autre religion, la maman dans une autre, les enfants aussi d'ailleurs. Mais ils ont besoin d'une délivrance. Comment faire? Est-ce que la délivrance sera possible pour eux ou pour nous? La délivrance est possible pour nous tous. Et à la papa, et à la maman, et à la moi dans la carte de la famille. Nous avons besoin de délivrance et de possible parce que Christ des motos a délivré à cap. Et tant que nous avons été dans la famille, nous avons une religion et belle. Nous avons pas qu'il y a une religion. Maman a toujours une religion. Nous avons en tant qu'apôtre dans le but et nous avons une lame. Parce que nous avons dit que nous avons pour être toujours la délivrance, nous avons la mobimba. Nous avons dit que nous très bien que nous avons apôtre. Et puis, on a dit que la délivrance est un combo de Jésus Christ. On a dit que le combo de Jésus délivrance est athée. C'est que papa, quand je suis en train maman, quand je suis en train de me faire, je suis en train de Jésus Christ. Parce que Christ, il y a des gens qui ont fait la délivrance. Merci beaucoup l'apôtre Josué d'avoir répondu à notre invitation. Alors juste un mot de la fin pour le peuple de Dieu. Le mot de la fin, na kiko yebisabana na nzambe boye. Ebongi basala Yesu Kristo na bango confiance ebele. Parce que soki totangi même na 4 na mokanda acte des apôtres chapitre 4 na verset 12. Bible lui il n'y a de salut en aucun autre. Même les gens qui ont sali wana, sali wana ont déjà délivrance mobimba. Tant que nous avons adopté ça au lobiko, lobiko na kat na yo a déjà processus ya délivrance mobimba. Oye kote na kat na yo. Na yango, na zote ya batu, oba zo kabiso. Kena mikolo oya suka, ndima Yesu Kristo nukola mkolo pe mobiki si na yo.
La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc, tu as parlé de maison, c'est aussi de dire, au Rubi Kayo, na famille na yo. Donc, on a pensé, on a dit, on a dit, on a dit, Moïse Moutumoko a délivré la famille na yé. Gédéon Moutumoko a délivré la famille na bango. Donc, surtout, on a dit, par exemple, on a délivré la famille, on a ébélé. Il y a un mot, yon de rose yokanga, na kat na mokili mobimba, le cas de délivrance na yo. Le cas de délivrance, il y a Libota Nayo, le cas de délivrance, il y a Mobal Nayo, le cas de délivrance, il y a Mosi Nayo. Et le quoi impossible, il y a besoin de Zambé et Zalakate. Oh, Bisho Bakanga Bisho, Makambo Simbakate, depuis Tokenda Poto, depuis Tosana Congo, depuis Tosana Kachafrique, Makambo Simbakate, Libalate, Kobotate, Oh, Baloba, Koko Nabiso Lobaki, Yaya, Koko Nabino Parole Naye, les paroles à l'évangile. Yesu Christ wa neki bango na nguya. Kani ngozo yo kanga awa na kule kana katina emission oyo. Nsambi wa delivera Israel ako delivre pe yo. Nsambi wa delivera ba famye bele ako delivre pe famye na yo. Ni loko moko sala Yesu confiance. Na ebye loko moko na katina Bible na 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Bible le dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. En ses serviteurs, les prophètes vous réjouiront. Amoni le loko yo mokile se bele. Basa landa mbaze bele, ya solo makambeze bele. Non, la délivrance n'est pas seulement ça. Obamaï, Bamungwa, ba Ansan, ba huile d'olive, ba boye, tout ça. Ba tebele ba sala kayango, na banzi ke ngai vraiment na sale la kayango comme tel était, mais nga délika que non selon doctrine biblique, la délivrance est au nom de Jésus-Christ. Donc na kombo na Yesu kaka. Donc soko bondele pona moto, dana iloko nzambe. Parce que là iloko ndebiki saka moto te, mais c'est le nom de Jésus ya mwana moto pe saka délivrance. Donc pour ça la confiance na Yesu, pour pe sa bina no bon pe sa ba famille na bino, o ba de sa mwana ki ndoki. Yesu ako délivré. Oh soki boye. Donc benga na émission oyo, o komi informé, soki e prier ezali, ba ko sale lo prière na ndene ki nzambe, ayi ba vraiment ko sunga yo na bazi. Voilà, Mel, merci beaucoup, apôtre Josué. Peuple de Dieu, c'était le mission dans ta présence où nous avions eu l'honneur de recevoir l'apôtre Josué Lumba, le visionneur de l'église, la grâce des dieux. C'est par ici que prend fin cette émission. Avant de finir, nous remercions, mes remerciements vont plus à notre réalisateur, M. Bavon Kasumbo, celui qui a permis que cette émission soit réalisée. Et je veux aussi remercier mon coach, Rach Kongolo, la couleur de la presse, comme j'aime bien l'appeler, la couleur rouge de la presse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez suivre toujours le numéro de cette émission, plusieurs numéros, abonnez-vous sur notre chaîne Mukulu TV. Mukulu TV, c'est dans cette chaîne où vous commencerez à suivre cette émission. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bye et au prochain numéro.